Bonjour, nous voici réunis pour une nouvelle vidéo sur reportagephoto.fr. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va vous présenter le Panasonic TZ10. Voilà. Donc on va commencer par voir ce qui se trouve dans la boîte. Alors ça commence par un CD avec le logiciel Photophone, enfin Photophone Studio, voilà, qui permettra de faire quelques retouches et gérer vos photos. Voilà. Un manuel papier. Pour le coup, qui est assez fin. Voilà. Un lot de câbles, donc qui permettra de brancher votre Numix sur la télé ou sur le PC. On voit les câbles USB ici. Voilà. Une Dragon de couleur grise qui permettra d'accrocher le boîtier à votre poignet. Ça évitera de le faire tomber. Voilà. Et le chargeur en deux éléments. Voilà. Alors. Donc ce Lumix TZ10 ressemble beaucoup à ses grands frères. Au niveau des modifications, on remarquera juste le bouton off-on qui passe à droite avant l'état à la place de la molette et cette petite prédominance qui en fait qui nous montre que le TZ10 est équipé d'une puce GPS. Voilà, on va faire le tour tout simplement pour vous faire une idée. Voilà. Donc, toujours un pas de vis pour le trépied, pour brancher un trépied. Et une trappe sur ce côté. C'est la seule chose qui fait un petit peu toc sur ce boîtier qui est très qualitatif, c'est ce côté de cette trappe qui ne fait pas confiance. Enfin, on a peur de l'abîmer quand on l'ouvre, tout simplement. Alors, sur cette trappe, on trouve un port HDMI et un port USB propriétaire. Donc, si vous perdez votre câble, il faudra s'adresser à Panasonic pour le remplacer, tout simplement. Voilà. Et en dessous, la trappe pour la batterie et la carte SD. Voilà. Donc au niveau des changements notables, le TZ10 a été équipé d'un nouveau capteur CCD de 12 mégapixels, voilà, qui permet de réaliser des photos en 720p. Et qui est aussi. Enfin, le boîtier était aussi équipé d'une nouvelle puce de traitement d'image, Venus Engine 2, pour le nom. Voilà. Et à côté de ça, on voit apparaître quelque chose de très sympa pour les photographes, qui sont les modes A et S qu'on voit ici, là, tout simplement. Donc ça permettra de gérer l'ouverture en mode A par exemple de votre boîtier. Donc pour gérer cette ouverture, ils ont mis un petit bouton qui s'appelle Exposio qui est ici. Voilà, on va le tester tout de suite en allumant l'appareil. Voilà. Donc d'après les sites de test, il prendrait 0,8 secondes pour démarrer. Donc il serait juste dans la moyenne des compacts. Voilà. Donc je suis en mode A ici. Donc, il suffit que j'appuie sur la touche Exposio pour gérer mon ouverture grâce au pavé tactile en forme de trèfle. Voilà, là, je suis F4-5, F5, tout simplement, et je rappuie, voilà. Et ensuite, je peux prendre une photo. À côté de ça, on trouve le bouton direct pour les vidéos, pour passer en mode vidéo, donc il suffit d'appuyer, et on passe en mode vidéo très rapidement, voilà, on arrête. En dessous, le pavé tactile, donc avec le retardateur, l'exposition, mode macro et le flash, et après, si on appuie sur le bouton OK, on arrive dans les menus, voilà. Donc toujours des menus très, très simples d'utilisation. Bon, après, c'est vrai qu'ils ne sont pas très beaux, mais bon, le but, c'est d'arriver rapidement à régler son appareil. Voilà. Et en dessous, on trouve le bouton Q-Menu, qui permet en fait de régler rapidement les réglages principaux de l'appareil. Voilà. Donc les menus, avoir une petite chose, les menus, donc si on est en mode photo, vous pourrez régler que les menus d'enregistrement d'images ou de vidéos, comme on voit ici. Et si vous passez en mode visualisation des photos, là vous passerez au menu lecture ou toutes ces choses-là. Voilà, mode voyage pour les réglages du GPS ou la configuration de l'horloge. Voilà. L'appareil filme avec un son stéréo. On voit les deux micros ici, enfin, ici et ici. Voilà. Et à côté de ça, j'ai oublié de vous dire aussi que la poignée avait évolué. Voilà, elle était un peu plus profonde. Enfin. Un peu plus, enfin, on va dire qu'il l'avait déplacé tout simplement, donc ça permet une meilleure prise en main. Voilà. Donc, un bon petit appareil qui permet de faire des photos facilement en ayant dans la poche à un prix convenable. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Je pense qu'on a fait le tour.
Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à visiter le site Reportage Photo. Je vous souhaite une bonne visite.